Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, Réaction Grand Format, où nous parlons encore une fois de plus de notre chère République démocratique du Congo. Nazana Esengomaka Sibandeko. Boye Baponanini, parce que vous me faites confiance et vous continuez à m'appeler, vous continuez à réagir, vous continuez à partager ces émissions. Même si ce n'est pas encore dans la mesure où nous voulons, mais en tout cas, Nandenge onaza comment Nandenge tokosili sa année oyo soki to continue boye l'idée que nous parlons ici va être adoptée na ba programme ba politicien. Mais aujourd'hui j'en profite justement pour vous remercier vous qui êtes là et ba oyo bozola nanga sikoyo pour la plupart peut-être que bolanda ba vidéo et puis outi. Abonnez-vous, je vais vous demander de vous abonner parce que makambuto za kolobela awa eza ya motu ya mingi za kufungula makanisi. Alors, grand format lelo tokolobela nini? Les discours de campagne des candidats président de la République. Je suis tellement déçu de certains d'entre eux makambu o baza koloba. Toko réagir na likambu o ya Bemba sur passeport ya Katumbi. Nous allons aussi réagir, ce qui tient et pessimiste, c'est qu'on réagir sur Makambu Oyo et Zako Lekana Est de la République démocratique du Congo sur le retrait de la MONUSCO. Retrait de la MONUSCO, plutôt à EAC. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dernièrement, awa tout le monde a dit que soda ba betani bango na bango minduki, il y a eu 4-5 morts. 4 morts sur place, na moko akufi na bon hôpital. Ba faire des ces abanani te za ba banguna te. To mona ki ba photo ebele ebele balobi ba mindele bazana kati ya kati ya M23. On va réagir sur deux sujets là. Mais to kende na nuna liboso na likambo oyo ya Bemba sorti ya Bemba bandeko. Quels sont les discours que devraient d'abord avoir nos candidats, surtout les candidats qui sont au pouvoir? Les candidats qui sont au pouvoir na banzi que il fallait ba kende na ba bilembo na bango. Bala ki sa bilembo na bango dernièrement anga na lobaki na lobi. Moi si j'étais à la place du président de la République, ce qui na communauté na ville ya Mbandaka. Na quelle place par exemple oyo réalisation à 145 territoires ezali. Na communauté na lobi bon voici ce que nous avions fait na mandat na biso awe pa na bino. Bilembo nangai awe pa na bino yango oyo. Voici comment est-ce que eloko oyo komi awa eko fonctionner ndenge nini. Vous essayez de vous appuyer sur vos réalisations. O anangande na kanisaka si j'étais le président de la République na moment oyo na bilembo o nanga na sali pendant 5 ans yango oyo. Et à ce moment-là vous expliquez vos difficultés. Bandeko, moi si j'étais à la place de Katumbi, je pouvais tout simplement de kolakisa batu bilembo nangai na babiloko na salaka na ba intention nangai regroupement on est salemi. Il faut se focaliser ba discours na bango, il faut pas se focaliser sur l'avenir, faire rêver le peuple congolais parce que peuple congolais pour na batu bazakoya il faut pas faire rêver congolais ba yebisa congolais que non tala makambo biso to kosala bino. Ça, c'est juste pour attirer confiance. Nous restons avec 12 jours. 12 jours à campagne de Tikali. Est-ce que sont-ils capables de corriger leur discours? Alors, réaction à Liboso, ils ont sorti médiatique à Bemba. Et ça, ils ont tolé. Et kundoli moi ma kambwebele à Nini. A Takaki Katumbi, oh non, bah passeport, bah nani zambien, tout ça. Il a inventé une histoire qui n'a ni queue ni tête. Bandeko, je vais vous dire une chose. Na kati ya ba ministre na bango wana nyoso. Et même beaucoup d'hommes politiques jusqu'aujourd'hui, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo. Boye binini, ba voyage kana ba passeport ougandais, surtout ceux de chez nous, ba miyebi bango moko. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Natango FDL, même Kabila le père, a voyagé avec le passeport rwandais.
Batu ebele baza wana ba voyage kana tango ali to na ba voyage kana na ba passeport ba passeport étranger ebele mususu baza kuna baza ba français ça haute ça demande quoi ngana za komona ke discours wana bemba abimina ngo wana eza ko dénigrer makasi. C'est pas ça le discours que tu ça va bien comment qu'ils ont tenir tête té oh azana passeport zambien tout ça. Mais c'est vous, c'est votre gouvernement qui l'a permis à ce que Azala candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Naza ko zongela yango awa. Ba congolais toter likambu o mutute akoki ko yebisa biso te ke o étranger moko azana kati ya ba candidat wana te. Ne soyons pas des hypocrites. Ton dit mais loko moko na moyi na poko toboyi yango. C'est pour cela que moi je me dis bande kona biso o bazana union sacrée. Botika ba discours wana o aza étranger ou quoi que ce soit. Battez-vous pour faire comprendre au peuple congolais que non, voici ce que nous avions fait. Et là, on a dit to kum to suki wapi. Ba o ba koya, il faut ba bandela wapi. C'est là le grand problème. Au lieu de s'attaquer dans des histoires qui ne donnent plus l'importance, yamboka. Le discours devrait se focaliser sur le pays. Comment nous allons gérer le pays? Comment est-ce que nous allons avoir tokotia misala ndeni tokotonga mboka oyo ndenge nini? Mais ba discours na bango ekomi kaka oh omoni wana za étranger oh omoni azana passeport ya ba étranger oh omoni bango oh basala nini oh ba non, ne nous focalisons pas sur les hommes. Na deux semaines au Etikali, moi 12 jours au Etikali. Je pense que il faut se focaliser sur ce qu'ils vont faire pour pas consolider effectivement l'électorat na bango. Ko consolider, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas que non, to sala babiloko yo o esala kala o tozala ki nango to consolider. Non, consolider, c'est-à-dire que il y a des bons acquis que vous pensez, vous estimez que ba acquis oyo eza ba acquis ekotika la libela. Mais je vais vous donner un exemple, bandeko. Je n'attaque pas ici Félix. On parle de programme de 145 territoires où on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux. Bandeko, école les a bâtimentés. Les bâtiments, moi j'ai eu honte par exemple lorsque j'ai vu un autre député à Lobby, $21,000, bah $21,000 wana o azwaka na nani na mandatir oyo. Asomba baba ateka ma ba palisade wana asomba baba akoma kosala izine ya bakre. Vous connaissez de qui je parle, suivez mon regard. Asomba asali izine ya bakre akubanda ko approvisionner ba école. Est-ce que ba école eza na mbongo? C'est tout un système qu'il faut reconstruire. Gratuité et enseignement ko ki kozala te ke non oh non bana bazongi classe sili non. C'est un système qu'il faut mettre en place. Même à temps d'un maternité, oh, bah, gratuité à maternité. C'est un système. Moi, si à Zanazem, à Lingia Bota, à Koyana Clinique, Clinique et Kopé, ça est, ce qui est Koboti, ça est service, soit, et Koki Kozala Ofelete, quelqu'un doit payer cette facture-là. Mbongo, on est faux, bah, Congolais, bah, yeba, et Zako Outa Wapi. C'est ça le discours qu'il faut tenir à Koloba. Non. Mbongo, oh, Tozako Zwa, ah, Tozwe, Naba, Impot, Tozo Salabo, budgétisation, Nabiso Tomoni, que chaque année, Toi, Kopé, Saka, Naba, maternité batoba botaka ekozala ota. Combien de cliniques seront choisies sur toute l'étendue de la République? Mais bota la babilembo oyo ezakaka bo bazako lo bakadio chezakaka bazako pe bazako kangabino miso. Mais à l'intérieur c'est une coquille vide. Et c'est ça le discours que moi je pensais que ba o bazasukoyo ba changer. Il faut qu'il change ce discours là. Discours on il faut ça la changer. Na koyeb sabino bisudi kamususu par exemple. Bon, botongeli biso mama yemo. Mama yemo etongami bandeko. Me banani yango bako banda okende na mama yemo. Tomituna nanu. Banani yango bako kende na mama yemo. Qui se feront soigner? Est-ce que les soins seront gratuites là-bas? Et même si elles sont gratuites, nani azako financer banani wana? Est-ce qu'ils ont déjà pensé système et fonctionnement ya nani wana ya hôpital wana munene? Nous commençons déjà à voir les cracks dans le fonctionnement à l'hôpital ou à la militaire ou à la bakuna. Il y a des appareils partout. Mais le peuple congolais ne peut pas aller là-bas. Bazako kende kuna te pona nini.
On n'a pas suffisamment étudié le projet pour que ça fonctionne normalement. Tout ça n'a pas information en agnoso. Alors, bilembo oyo nini yango ko yuko rassurer bino lelo que non Félix Tshisekedi akozala réélu à cause ya bilembo ya sali, pas à cause ya mafinga za ko finga batu msusu. En s'attaquant aux autres candidats, vous leur donnez du pouvoir, mes frères. Ce que vous avez dans le meeting, vous s'attaquez à Moutolobi, voilà le Kambo. Vous avez le Kambo à passeport, et ça, argumenté. Ça ne peut pas tenir que non, toi tu voyages avec un passeport étranger. Comment est-ce que tu vas faire? Il y a Kolongo, la haine, il y a toi qui vous. Nakati a mité Mabango contre les Rwandais. Comment vous allez faire? Voilà les discours qu'il faut tenir. Et ça, somme au Makambu, autoza comme on a l'élo dans la République démocratique du Congo. Ça ne tient pas. Les gens ne sont pas payés. Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? Expliquez au peuple congolais que non, voici ce que nous pensons que le Congo est à l'objet Kozala. Voici comment est-ce que nous allons aller. De l'autre côté aussi. Nous voyons par exemple l'Ikamboya candidature commune. Laissez-moi un peu m'atteler là-bas. Que ça ne soit pas un argument de la majorité ou bien de ceux qui sont au pouvoir. Et ça a le problème na bangote. Oh non, bakoya ko sangana, pobaya ko bungi ko bundisa biso. Il faut faire la campagne. Moi je pense que Fatshi, vous devrez faire une campagne sans même citer les noms de ses opposants. A expliquer yemoko que non, voici là où j'ai pris le pays, voici place nani nazo comme mayango. Bon ça langa confiance bandeko. Olia ko banda koloba non ba étranger. Oh ba... Et puis je me dis Félix Tshisekedi a commis na nini. Qu'est-ce qui lui prend a commis kobosa nana ba date à ba élection? Est-ce que l'homme a encore vraiment sa tête sur ses épaules? Bargima oyo na ebite soki za pe kaka nde balobaka bato baza pembeni nende baza ko sala musala malamu te. Je ne sais pas si c'est cet argument là que ils pourront encore avancer à kolobake non bato oyo baza pembeni baza ko conseiller président malamu te. Non, l'histoire c'est lui-même d'abord. Awa ndenge pe aza ko bato baza ko reprocher balobino Katumbi n'a jamais défendu son programme au niveau ya presse ou tout ça. Donc il n'a jamais présenté un programme Katumbi ne l'a jamais fait. Tout le monde cite cet exemple là en disant que non Katumbi a ebi kotanga te Katumbi a sali boete. Mais ngana sepela ki mingi na ba argument oyo batuna e baza kopesa. Ce pays ne se fera pas par un homme, ne se construira pas par un homme. Mboka oye ko se construit na biso nyoso, so ki to tie na biso makanisi, na biso nyoso ensemble. Alors, les arguments que vous venez avec, na ba meeting na biso, il faut que les politiciens puissent faire attention. Nous ne sommes pas au niveau des attaques personnelles. Expliquez au peuple congolais, tozo kende wapi bandeko. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que moi j'ai vraiment cette capacité? Il y a qu'on mobiliser bino ba congolais, à mettre ordre na katia ya mboka. Est-ce que j'ai cette possibilité là? Et quelles sont mes possibilités? Na nazanga loba awa na landa ki cette kikuni pa ya bosolo na politique. Et j'ai aimé ce garçon comment il a été compétent à dérouter pratiquement bosolo na politique. Ça c'est mon point de vue. En suivant l'interview, j'ai vu que c'est défendu très bien et il défend valablement avec des arguments vraiment précis. Et Sango a été dérouté. La vidéo est là. Sango a Kwanzi Mutu. A mon avis, un argument. Parce que nous connaissons effectivement Sango position Ezanini Mikolo. Azo Linganini, nous connaissons. Mais ça n'a pas tenu. Mais cette vraiment a été à la hauteur pour ce qui nazako ça la publicité à cette avaté mais vraiment apprécions ce qui est appréciable. Apprécions ce qui est appréciable. Mutua a ça à lobby Franklin Tshamala na Top Congo, il a expliqué et batuba vanda ki boye. Et c'est ça là les arguments. Mais moboye bisanga inano. Batu ya union sacrée. Mingi ebele ebele bogumo mona igranya ondenga siya katisi na ye, il a accepté que le bilan était
négatif. Batou, oh, il y a quelques mois, babande koloba fachi béton, fachi béton, fachi béton. Et nous commençons à voir les cracks, même au sein de l'UDPS. Regardez les images qui se sont passées ici, en Afrique du Sud. Wana nyon se zako de jouer na de faveur à Mokonzi. Le président de la République ne peut pas se féliciter avec de telles choses comme ça. Na katia campagne, où on dit, c'est comme si ces gens-là sont venus chercher de l'argent. C'est comme ça que Glanyao a lobby que non bon nga na zwaki bandeko na sala ki na ngobo. Lui il est en train de se défendre et ce qui ça kinga ti lobby na za ko sekaka na lobby, c'est pas possible. Alors les arguments de la campagne, c'est que doit être maintenant pour le président de la République na tamuke o etikali. Moi je pense à ce moment-là, à ce moment-ci, le président doit se ressaisir. Et aye bisa batunaye bato surtout bazako kende ko sala ba ba pré-campagne, hein, ba équipe d'avance, na yo bazako kende ko mobiliser ba tout. Qui se focalise sur les bilembo. Bilembo na yo, soki ata batonga ki ata ka mo hôpital, akende ko sala meeting na kati ya ba hôpital wana. Akomi na Gemena, akomi na wapi alobi awa, projet 145 territoires réseau sale mawapi. Awa tokei, boyana la kisabino, voici ce que nous avons commencé. Bilembo wana nde zali ya makasi, il faut ko kende place wana oli yebisa batu. Awa e o eza programme na ngai, ça c'est le programme de 145 territoires. Place maternité sale eza gratuite okay kuno lobi voici. Parce que ba vidéo toza komona. Oui, ça fait quelque chose eza ko lakisa. Mais physiquement na kati ya campagne e ko sala impact moko ya munene. E ko sala impact moko ya makasi keno ozo lakisa bilembo. Je plains encore une fois de plus, Bato Bazana Fachi, ya est la République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'ils vont faire semblant ya kokende koleka kuna. Inu, donc bakosala ta meeting ya 30 minutes te. Nos soi-disant leaders de l'Est, Batwana Bamiyebi, et qui sont avec Fachi, est-ce que ceux-là n'ont-ils pas voyagé avec les passeports rwandais? Nous avons les copies soki bosali makambo bosali ke baté to kobimisa babiloko wana nyoso. C'est pour cela nga naza ko na yebisi bino na lobi to tika likambwana ya batu ya ba ya baza bazambien banani. Il n'y a plus d'étrangers parmi les candidats président de la République. Que étrangers azate, nous tous nous sommes congolais, nous allons avoir tous la même chance de concourir. Et loko wana argument na to tika ngo na se. Concentrons-nous à la reconstruction du pays. Comment est-ce que nous allons terminer la guerre à l'Est? Avant de terminer, parce que na koloba makamusu soute, na banzi que guerre à l'Est ekosi la ndenge nini, ekosi la avec un programme, avec des gens qui respectent ma parole na bango. Ils doivent montrer d'une certaine lucidité, maîtriser à Makambu Obaza Koloba, et puis attirer aussi la confiance des autres. C'est pour cela que ici nous nous sommes dit, Masolo na ba M23, Masolo na Rwanda, ekoya après que nous nous ayons assis, bisonyo soto trouvé ba solution na kati ya mboka na biso. Ceux qui condamnent Katumbi à négocier na ba Rwandais, moi je ne condamne pas ça. Si c'est ça qui va terminer la guerre, akende na diplomatie ko solana ba twana ko lobate bo déposer ma mandoki to sololana nous comme ça kimia ko zala. Voici nous vous rassurons ceci cela. Nandenge toko créer armée, voici il doit y avoir un plan qui doit être mixage na bananité. Nous devons réformer une armée républicaine. Et moi je ne pense pas que ces gens-là qui se battent, qui ont pris les armes, ba Codeco, ce n'est pas tout simplement les M23, les Codeco, les autres groupes armés qui sont par-ci par-là. Bazana ba frustration, ils doivent exprimer leur frustration. C'est pour cela que Eza très important pour que Batouba yeba keno, il y a question de confiance. Mboka o eza mboka ya mutute, mboko eza mboka na biso nyoso. Alors, solution o bako yuko kende na langore ba kende ko negocier na ba M23, ça doit être une solution qui doit avoir ya koloba ke tozo tonga mboka o, tozo silisa ki muhibi, mboka o biso nyoso tout koto. Et c'est pour cela que moi je disais que non, ma solo wana, e yuko zalate entre un groupe d'individus et avec les groupes armés, te, il faut zala ma solo moko généraliser.
C'est pour cela que moi j'ai demandé à ce que les candidats au bazar dans le programme T, qu'ils prennent le programme à 145 territoires formant Nabiso, Oto Salaka Awa, pour que tu engages la discussion d'une nouvelle constitution. Tu résoudre le problème à la constitution Nabiso, tu résoudre le problème à la cohésion nationale, tu résoudre le problème à l'identification nationale. Que ce soit des programmes qui doivent être lancés et que tout le monde confiance dans le bateau. Programme au bateau et à Sikabaye, Biso, ce n'est pas que Biso to tika mandoki et puis to tika la kabo et te. Il faut nan nous tous ala naba principe de base oyo et kota la République Mobimba. Ce n'est pas tout simplement aller causer avec les M23 que ça va terminer la guerre. C'est toute une machine, tout un système à mettre en place. Et j'en avais parlé ici, je continue à parler de ça ici. Bandeko, ezali ke batuba ba vendre ensemble tout reconstruire Congo. Ndenge deli se sangaza koloba, refondation à Congo et koki ko sili insécurité à l'est. Et en commençant par où? À commencer par taire le problème de l'identification du peuple congolais. Parce que ba programme nyonso kozala ko mettre en place, ça ne tiendra que lorsque le peuple sera identifié. Voilà mes chers amis, pona lelo na kosuka awa, en vous demandant de vous abonner encore une fois de plus, parce que le programme de 145 territoires, nous l'expliquons comment est-ce que nous pouvons arriver ya kotongamboka oyo biso nyonso ensemble. Donc nous l'expliquons dans ces émissions-là. Abonnez-vous comme ça, et puis vous cliquez na nani wana ngonga wana ya kore ya ko notifier bino pour que tant on a kotia émission, bon blanda succession ya ba ide ndenge tozali ko évoluer. Merci donc, j'espère que vous l'avez fait avant que nous terminions et je vous remercie encore pour vous qui m'appelez Baoba Benga Kanga Mikolonyo. Germain Lobaki Awa Boeboe, Otali Neni, je fais un effort, Yako Sololana Moutounyo Sotoa Benga Kangaï. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui en espérant que ça vous a plu et que vous aviez appris quelque chose dans cette émission. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.